Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Mansu Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Planet Base, épisode 4. Waouh, pour un épisode 4, on est très en avance. On a fait une citerne, on a fait un extracteur d'eau, on a fait 3 accumulateurs gros, 3 gros accumulateurs, on a fait 3 très grands panneaux solaires, très grands panneaux. Très grande, oui, bon, très grand. On est en train de créer un centre de communication. Notre entrepôt est presque plein. Bon, presque, pas trop les trois quarts, mais presque. Notre centre de communication, enfin, notre centre de contrôle est presque fini. Au niveau de tout ça, tout va bien. Bon, mais tout va bien pour le moment. Tout va bien. Et ici, on va commencer à créer notre sas. Waouh, on peut aller super loin. Oh là là, c'est brillantissime. Alors, ici, on va faire notre sas. Bonjour. Une structure là, ça marche pas comme structure. Pour faire un sas, on peut pas. Pourquoi on peut pas faire un sas? On peut même pas faire un générateur d'oxygène. Serait-ce une arnaque? On va mettre un extracteur d'eau. Ne dites pas que c'est pas vrai, on peut pas mettre. Je vais vous montrer comment on fait. C'est où? Non. C'est là. Sans commande, on met alerte jaune. Alerte jaune. Ah. Lorsque la base est en alerte jaune, tous les colons restent à l'intérieur. Le service des médecins et des gardes est prolongé. Quand c'est alerte rouge, tous les colons restent à l'intérieur. Le service des médecins NK est prolongé. Les colons combattront les ennemis par tous les moyens nécessaires. Waouh. Mais ça sert à rien ce que j'ai fait. En gros, on est vraiment paumé dedans. Parce que je ne peux rien faire. Comment ça se fait? Mais c'est nul! Mais c'est pourri! Comment on fait? On va pas rester ici! C'est pas possible! Non, je te veux pas, désolé. Oh non! Ils produisent rien, les panneaux solaires! Heureusement qu'il y a 2 accus. Hein. Oh là là, heureusement que j'en ai fait en fait. Mais comment on fait? Comment on fait? Mais on s'est mal positionné. Je savais pas, moi je croyais que ça allait marcher. Ah non, me dites pas qu'on va arrêter dans une... Juste à cause de ça. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, ça m'énerve. Ah non. Ah, je suis déçu. Oh, la déception. Je penserais pas qu'on aurait ce problème. Bon, il est long, hein, la tempête solaire. C'est bon, elle se finit. Pas d'alerte. Mais... Ah, je suis déçu. Après tout, on peut quand même jouer.
dans ce petit terrain. Mais oui. C'est super simple, il faut maximiser l'espace. L'espace. On a beaucoup de terrain. Tout ce qui est électricité, on peut le mettre en bas. Il n'y a pas de problème. À part si on, si ce câble est cassé, c'est foutu. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud ce que je veux faire. Hein. Mais je comprends pas pourquoi on peut pas se connecter par rapport à ce petit câble. Pourquoi on peut pas? Enfin, grâce à, aux plateformes de base. Pourquoi on pourrait pas? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi en fait. J'ai aucune idée. Du pourquoi et du comment. Ça me rend triste. Ça me rend vraiment triste en plus. Oh là là, comment ça me rend triste. Je sais pas quoi faire. En fait, je me dis si... Est-ce que je devrais arrêter la série? À 4 épisodes, c'est triste. Ou pas. Moi, j'ai pas trop envie d'arrêter hein, la série. Non, on verra. Faut réfléchir. Vraiment, il faut réfléchir parce que c'est trop petit comme endroit. On va pas se le cacher. On peut pas sortir. On est enfermé. Par ces montagnes rocheuses. Et on pourrait pas les casser, inventer un truc pour casser ça. Ça serait bien. Alors vous, vous nous vous inventez quoi? Non, on s'en fiche de ça. Robot fourreur. Moi, je voudrais qu'on achète ça. Parce qu'on en a besoin. Et c'est tout. On a besoin de plantes médicinales pour faire nos médicaments. Donc, je préfère en acheter. Au niveau du manger, est-ce que au niveau des graphiques, ça marche? Bah, on ne tombe pas dans le caca. C'est assez équilibré. Il n'y a pas de problème. On produit toujours autant. Boissons. Au niveau des minerais, ça va. Au niveau du métal, on en a beaucoup plus. Bioplastique, ça diminue, c'est normal. Au niveau des médicaments, on est tombé à 5. Il faudrait remonter. Et les pièces détachées, on diminue. On va construire un... Oh, y a presque plus d'espace. Oh. Mais ça c'est quoi? Non, ça. Ça c'est une usine. Ça, c'est une fabrique. Je voulais faire un peu plus grande, la fabrique. J'aurais dû faire plus grand. Les gens sont fatigués. Ils ont des lits pour dodo. Deux ouvriers dorment. C'est mignon. Là, on a beaucoup d'ouvriers qui dorment. Il nous faudrait de la fabrique, s'il vous plaît. Déjà ? Waouh. Il crée vite.
Alors, je voudrais que vous faites une fonderie de silium et un atelier pour créer des pièces détachées. Je vous remercie. Et après, on va créer des robots. Et c'est tout. Après, je voudrais qu'on fasse... qu'on agrandisse un peu la zone. Qu'on mette tous nos produits électricité là-bas. Derrière. Mais ça sera bon. Tout ça, ça va partir derrière. Et là, on pourra un peu agrandir. Ce qui va être cool. Parce qu'en fait, ça nous prend beaucoup de place. Ah, ben, ça crée déjà des pièces détachées. Aussi du psyllium pour faire nos robots. On a déjà des pièces détachées, donc c'est bon, on n'a plus de problème pour les pièces détachées. C'est une très bonne nouvelle. Très, très, très bonne nouvelle. Par contre, on a combien de fer? On n'en a pas tant que ça. On en a que deux. Parce que le reste, ils sont utilisés ici. Au niveau des pièces détachées... Non, 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 non. C'est bon, vous pouvez fermer. Même le psyllium, ça sert à rien. Prenez juste les pièces détachées. Il faudrait plus de métal qui sont là. Il y a du minerai ici. Il y a un mineur. Je crois qu'on va faire ça. On va mettre tout ça derrière parce que ça prend quand même beaucoup de place. On va essayer d'un peu agrandir notre zone et jusqu'à qu'on pourra plus, ben on arrêtera la série. Je crois que ça va être à partir de 12 épisodes que la série sera terminée. Donc ça va, ça peut nous, ça dure à peu près un mois parce que je compte en faire deux par semaine de Planet Base. Donc c'est cool, c'est cool. Enfin bref les amis, on se retrouve pour un prochain épisode. Peut-être c'est un court épisode, mais pour moi j'ai expliqué, j'ai réfléchi. C'était cool. C'était cool. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. A ciao tout le monde. Je vous dis gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire aussi. Mettez des commentaires pour t'avoir, votre avis sur le tentier que de vous les faire. Mais sans votre avis, je peux pas savoir ce que vous souhaitez. Donc mettez un commentaire si vous vraiment voulez vous exprimer, etc. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ah, ciao tout le monde.